Alors Yann, aujourd'hui c'est à la fois la fête du tennis et puis la fête de l'ASCA, puisque on le voit derrière vous, il y a des tournois qui sont organisés ce samedi. Oui, tout à fait. Alors ce week-end est organisée la fête du tennis par la fédération, la FFT. Dans le cadre des finales de Roland-Garros, en fait, il y a une animation qui est nationale, avec plusieurs centaines de clubs qui participent. Et donc nous, on a profité de cet événement pour organiser les finales de notre tournoi interne. Donc on a organisé un tournoi interne homologué FFT pour tous les adhérents. Et on a trois finales qui ont lieu aujourd'hui. En ce moment, c'est la finale des 13-14 ans donc, qui se déroule. Et cet après-midi, nous avons à 14h les 17-18 ans et à 16h, on aura les seniors, donc les finales des seniors. Et on clôturera la journée par un repas entre les adhérents pour voilà, convivial, pour que tout le monde se rencontre et puis voilà, puisse partager un moment de convivialité. En plus, il fait beau et même peut-être un peu chaud ce week-end. C'est aussi l'occasion peut-être pour des Auréanais ou des gens de l'agglomération de Tarbes qui ne connaîtraient pas l'ASCA Tennis et qui ne connaîtraient pas les installations, de les découvrir, parce que là aussi, on le voit derrière vous, il y a des terrains en extérieur qui sont de qualité, qui sont accessibles grâce à l'association tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Alors, on a trois terrains extérieurs, dont deux éclairés. Donc, c'est vrai que c'est une installation qui est agréable, bien située, parce qu'on est on a un environnement avec de la verdure autour, donc c'est assez agréable. Ils sont éclairés, donc ça nous permet de faire des matchs ou des cours le soir. Donc ça, c'est aussi un côté assez positif. Donc la fête du tennis, ça nous permet dans le cadre de l'événement, de montrer nos installations. C'est ouvert à tous. On fait des offres spéciales pour les nouveaux adhérents ou les gens qui seraient intéressés pour découvrir le tennis, avec une offre pour l'été en fait spéciale. Donc c'est vrai que c'est une bonne occasion pour nous, pour nous faire connaître montrer qu'à Orient il y a un club qui essaye de proposer une offre conviviale, et on n'est pas poussé sur la compétition, on est plutôt sur la convivialité, le fait de jouer ensemble, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Un mot sur cette offre été, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que la saison sportive se termine, Roland-Garros se termine également ce week-end, mais tout au long de l'été, avec une licence particulière, on pourra aussi venir faire du sport régulièrement ici. Oui, tout à fait. Alors, on propose une offre une carte été, donc qui est destinée aux personnes qui ont déjà été licenciées mais qui veulent jouer que pendant l'été. Donc, c'est une offre à 40 euros pour un adulte avec la licence plus l'accès limité aux installations. La licence permet de faire des compétitions aussi pour ceux qui souhaitent s'essayer à la compétition. Ça, c'est la première offre. Et une deuxième offre découverte qui, là, est associée à des cours collectifs. Donc pour un adulte, pour 30 euros, en fait, il y a l'accès aux installations pendant tout l'été, plus 6 heures de cours collectifs avec Michel Lartic, notre éducateur. Donc ça permet d'avoir les premiers rudiments en fait, du tennis pendant ces heures-là. Donc voilà, c'est ce qu'on propose. Jusqu'à fin juin, on peut s'inscrire sur cette offre découverte. La carte été, c'est pendant tout l'été. Voilà. Donc on fait ça aussi pour les enfants, l'offre découverte. Donc là, c'est 15 euros pour les enfants. Donc c'est assez abordable. Donc on espère que ça va attirer des nouveaux adhérents pour l'ASCA Tennis.